Salut ma poule, mon maquet et moi, on voudra une pirole. Je suis désolé, madame Glitta, mais notre établissement n'est pas un hôtel de passe. Je sais, mais l'hôtel de la gare est bourré. Et j'ai besoin de tester ma tapineuse. Vous êtes d'une vulgarité tout à fait incompatible avec le standing de notre établissement. Je ne vous donnerai une chambre que lorsque vous emploierez un langage convenable. Mon souteneur voudrait s'isoler un instant avec moi dans une chambre afin de tester par conscience professionnelle la qualité de ma prestation. Voilà. Et comme j'ai pas envie d'attraper la ch'touille au cas où elle serait plombée, je voudrais aussi une capote. Ah non ! Afin d'éviter toute contamination due au manque d'hygiène de certains de mes clients, ils voudraient une capote. On ne dit pas capote, madame Glitta. Il y a d'autres termes plus châtiés pour désigner cet objet. Il veut un bleu de travail pour son petit ouvrier. Oh ! Alors pour découvrir la prochaine vidéo qu'on va mettre en ligne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.